Je crois que le multi, il est géré comme une sorte de MMORPG en fait. Lorsque vous jouez en ligne, les autres joueurs peuvent voir et diffuser votre nom d'avatar et votre identité, identifiant par avis du chat vocal, mais c'est en préservé. Attends. S'il y a un chat vocal, je le veux pas. Voix. On parle. Bon, mais ça dit rien. Ouais, en gros, t'as un personnage et tu combats, tu peux te joindre avec des mecs. Le nom de votre serveur, l'icône s'affiche en haut à gauche de l'écran quand vous êtes en ligne. Si vous perdez quand vous reconnectez en faisant. Ok, ça marche. Donc là, je pense que ça se passe entre quand Noctis en fait va dans le cristal et qu'il est enfermé là, comme Link avec Zelda Ocarina of Time. Quand il est enfermé dans le cristal pendant plusieurs années, non? Je crois. Tu veux dire que FF15 peut être enfin être un peut enfin être un RPG, non? Non, j'ai pas dit ça. Oula! Oula! Non, non, c'est exactement le même gameplay. C'est exactement le même truc. Hein. C'est de l'action pure et dure. Hein. C'est pas. Et puis bon, après, oui, voilà. Tu as des armes, tu les récupères. Enfin, voilà quoi. Mais le gameplay reste le même, donc c'est pas. Enfin, c'est rien de spécial, quoi. Enfin, je pense pas qu'en multijoueur, même avec des gens, des amis, tout ça, un groupe, ça va être plus drôle que le jeu principal. Hein. Bon, par contre, c'est long à charger, quand même. Vous qui servez les rois du Lucis, vous qui avez l'honneur d'emprunter leur pouvoir au nom de la mission sacrée qui vous incombe. Ça, c'est le film. Vous avez juré de donner votre vie pour le Lucis et le Cristal, et de vouer votre lame à protéger le roi élu porteur d'espoir. Aucune transgression à ces vœux ne peut être acceptée. Rien au monde, pas même la mort, ne vous laverait d'un tel péché, jusqu'à ce que la lumière soit à son comble et que le roi élu se réveille. Ah non, c'est ça. Tu te réveilles enfin? Ça va? Tu te ou, souviens de ou qui tu alors es au c'est moins? avant FF15. Vous êtes l'un des survivants des lames royales. Non, non, peut-être que ça se passe avant le jeu principal en fait. Genre pendant. Juste après le film. On fait une femme, on va faire une. Parce que je vais pas y jouer de toute façon, je vais vraiment pas y jouer. Donc on va faire une femme. Je veux faire comme dans Metal Gear Survive. Ça commence à se faire beaucoup le mix de deux visages. C'est pas mal, hein, comme technique pour créer des visages uniques. C'est intéressant ce système.
Y a rien, c'est quoi ces trucs? C'est quoi cette merde? On va peut-être les débloquer après. Pour nos terres et nos foyers. 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 Allez, voix 1. Taille. 1,70, ça fait quand même grand, mais attends, j'ai vu un truc important. Voilà. Alors, là, ça fait planche à pain. Là, ça fait mieux. Voilà. Torse, voilà. Là, c'est... là, là, voilà. Voilà. T'inquiète pas que je sais quoi augmenter pour faire... pour faire bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, les bras? Ah non, 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 non. Non, je te veux fine, hop. Hop. Fesses. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Taille de la tête, corpulence. Oula. Oula, non, 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 non. Comme ça, comme ça, comme ça. Dead or Alive Boobs Edition, c'est ça? Ouais, les cheveux, c'est pas... C'est pas top, top. Ah, je l'avais légèrement anorexique. Mais avec des jolies hanches. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on arrive à quelque chose. Oula. C'est trop de vêtements, ça. Dis-moi. Ah, pas la tête. Oula. Ça aussi, c'est trop. Ah, les chaussures, oui, ça fait classe. Ah, les gants aussi, ça fait classe. C'est pas mal, c'est pas mal. Accessoires, il n'y en a pas. D'accord. On est pauvre, apparemment. On est très très pauvre. Hein. Je te veux un peu plus blanche. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'aime... Non, comme ça. Lèvres. Pff, lèvres. J'en sais rien, moi, les lèvres. Un peu rose. Couleur des yeux. Comme les miens. Comme les miens. Vert. Enfin, je sais pas. Vert comme ça, mais. J'aime bien les cheveux noirs. Cheveux noirs. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis en train de faire une putain de bombe. Des mèches blanches, évidemment. Avec mèches blanches. Les cils. Noirs, parce que sinon, ça fait bizarre. Couleur des sourcils, pareil. Dégradé. Dégradé de quoi? Dégradé les cheveux. Ah ouais. Non, pas de dégradé. Non, mais noir. Couleur de vêtements haut. J'aime bien. Je suis en train de faire une actrice porno. Non, je déconne. Hop. J'aime bien le côté voilà, un peu couleur mais pas trop, voilà, ça fait pas mal comme ça. Là. Alors, il faut faire un assortiment, il faut que ça soit assorti au haut. Du coup c'est quoi que j'ai utilisé moi? C'est pas ça. Quelle couleur j'ai utilisé en haut? C'est juste celle d'au-dessus, pourquoi ça veut pas là? C'est pas pareil. Bon, après, c'est pas grave. On va mettre le même rouge, si j'arrive à le retrouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ème ligne. 3ème rouge. Pff, compliqué tout ça.
2, 3, 4, 5, 6, 3ème prochain, je suis là. C'est bien. Après les lignes on les laisse, on les met noires. Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi, sérieux. Genre, il y a plus de choix dans les vêtements que le personnage lui-même. On va mettre blanc. Il y a combien de couleurs sur les putains de chaussures, sérieux. Les lacets, la couleur des lacets, s'il te plaît. La rouge. Et ça, c'est les semelles, ok, noir. Couleur des gants, rouge. 3, 4, 6, 3ème. Hop. Évidemment, blanc. Hop. Ah, c'est très bien. Eh, structure du visage, ça veut dire quoi? Oh, putain, merde. Non, ça, j'ai pas envie de bouger. Nez, bouche, mâchoire. Bouche, peut-être. Je la veux comme ça. Non, je déconne. Non, elle est très bien comme ça. Avatar. Comment on va l'appeler? Tifa? On l'appelle Tifa Lock... Putain, comment elle s'appelle Tifa? Quoi? Allô, c'est espace. Je suis en train de taper espace. Ah, on peut pas faire espace. Merde. Tifa. Allez. Parce que sinon, on va faire 3 heures déjà. Ça va me saouler. Faire une copie, tu as la même à la maison? Tu m'as l'air d'être pareil. Encore dans les vapes. Remarque, vu l'état dans lequel t'étais, c'est pas vraiment étonnant. Écoute bien. On fait partie des Lames Royales. Une unité spéciale qui combattait pour le roi, en empruntant son pouvoir. Malheureusement, ça fait déjà longtemps qu'il est mort. Mais nous, on a toujours le devoir d'honorer ce pouvoir. Regarde là-bas. Cette ville est le dernier refuge de l'humanité. En tant que Lame Royale, on doit aider à la protéger. Profite de la lumière du soleil. On peut la voir que quelques heures par jour. Tout le reste du temps, faut produire la lumière soi-même. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de notre mission la plus importante? T'as intérêt à vite t'en rappeler. Tourner des films. Parce que des gens de l'Est comptent sur nous. Attention, il y a des démons! Merde! Heureusement qu'on n'est plus très loin. On n'a pas le choix. Allez, au boulot! Lockhart, ouais. Sort de soin, LTY. Je vais jamais m'en rappeler. J'avoue, je sais pas trop ce que je suis en train de faire en fait. Quoi?
me fait épuiser. Hein. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Si tu vois rien avec les explosions. Regardez pas, je regardais elle. Ah, oh, c'est un boss ça. J'ai l'impression de jouer Virgil dans Devil May Cry en fait. C'est pas amusant. Étrange. En plus, il y a de la survie, hein, donc faut manger, un peu comme Survive. Je vais vous aider. Ah, il y a corps. Oublie le protocole. Pour le moment, concentre-toi sur notre ennemi. D'accord. Les gars, on attaque tous en même temps. Je vois pas ce qui se passe, ça me pète les boules ce jeu. Par ici, dépêchons-nous d'entrer avant que d'autres démons arrivent. Ouvrez-nous. Le maréchal, ouvrez. Thank you.
Vite, entrez. Je peux pas bouger la caméra. Eh oh. Ah, c'est là. Ici, on sera en sécurité. Félicitations, tu t'es bien battu. Je compte sur toi. Ton pouvoir doit servir à protéger les réfugiés. Ils ont arrêté de chercher le prince. L'Estaloum est la ville de la lumière. Elle est de... On élimine les démons. On a... En tant que la... Bon. Je te les ai apportés. Je te remercie. Ça nous aide bien. Sérieux, elle aussi, c'est l'histoire principale. Tu vas pouvoir souffler un peu ici. Et n'oublie pas de remercier les gars qui t'ont trouvé. Bon, bah, va falloir que j'y aille, moi. Le maréchal a besoin de moi pour une mission importante. Ah, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Autant deux dagues d'apparat ornées de motifs. En même motif, vous réalisez que les dagues vous appartenaient et vous rappelez d'où vous. Bon, et puis, il va falloir te réveiller un peu. Moi, c'est Libertus, au cas où tu t'en rappelles pas. Essaie de le retenir. Je vais m'arrêter là. C'est pas Riku ? Non. Riku de Final Fantasy VII ? Oh là là, il n'y a jamais d'électricité. Ah non, c'est Iris. On dirait... Non. Bref. Je vais m'arrêter là. Ça me passionne pas plus que ça.